Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Blood Bowl 2. On se retrouve sur une nouvelle coupe. On va jouer dans cette coupe à la MST, le Magic Survival Tournament. Donc une coupe qui est proposée par Magic Droops, qui est également youtubeur. Je vous mettrai les liens de sa chaîne dans la description. Il y a une petite vidéo de présentation au tout début de la playlist, donc pareil, hein, si vous voulez voir, regardez la playlist, le lien est dans la description, et il y a une petite vidéo qui explique le concept, mais en gros, c'est un concept de coupe qu'il a décidé de faire, qui est assez fun et que j'ai décidé d'y participer. Le concept, c'est que chaque coach a 3 vies, donc on va affronter un peu tout le monde tant qu'on a des vies. C'est donc pas de l'élimination directe, hein, mais un petit peu plus subtil. Et en outre, comme c'est une coupe basée sur les sacrifices, le vainqueur devra sacrifier son MVP à NFL en fait. Donc on devra supprimer le joueur qui a gagné le MVP à la fin de la partie. Ça va donc être bien la violence. En plus de ça, certaines races ont des cartes à jouer. Donc je vous mettrai un petit résumé pareil dans la description des cartes. Il y a du moyen que ça soit assez fun. On peut sacrifier d'autres joueurs, on peut forcer des joueurs à ne pas laisser jouer certains de leurs personnages, on peut sauver nos propres joueurs du sacrifice, enfin il y a des trucs vraiment fun. On va jouer dans cette coupe des vampires. Grâce aux vampires, on peut choisir de sacrifier deux serviteurs à la place d'un vampire si un vampire gagne le MVP. Donc on sacrifie deux joueurs plutôt que perdre notre vampire, et on peut également choisir de d'hypnotiser un joueur adverse, donc désactiver un joueur adverse contre un de nos vampires en fait, qui ne jouera pas du coup pour le match suivant. Mais dans ce premier match, on ne peut pas jouer encore nos cartes, hein. On va déjà faire notre premier match et on se retrouve tout de suite pour la suite. Merci. Et on se retrouve donc pour le match, le premier match dans la MST. On va donc affronter DJ Creeper 06 avec les Marcheurs Blancs, une équipe de Chaos. Donc il n'a pas de Minotaur, hein. Par contre il a 3 relances, pas mal de bébêtes et bien sûr pas mal de piquettes, pardon, et bien sûr les guerriers du Chaos qui vont bien. On a un petit peu de TV de retard, vu que j'ai gardé un petit peu de blé pour éventuellement remplacer nos morts. Donc du coup, j'ai pu prendre une serveuse. De notre côté, on a une équipe de vampires avec 4 vampires. Donc on a Chobitif, Damned la Boule, Nilak le Glabre et Papillote le Raseur, puisqu'on va jouer les chauves qui sourient. On n'a que 2 relances d'équipe, malheureusement. Mais je pense qu'on devrait pouvoir en racheter assez vite, parce qu'elles sont quand même relativement peu cher, on va dire. Mais bien sûr, il faut pour ça qu'on gagne. Et c'est parti, on valide. Il a pas d'inducement, il a plus de thunes, donc du coup, pas de soucis là-dessus. Donc l'équipe de vampires, hein, c'est la première fois que je la joue en compétition, mais c'est une équipe que j'aime bien jouer, qui est assez drôle. Du coup, ça me paraissait plutôt bien collé au thème. On va voir un peu comment ça se passe, parce qu'il y a quand même beaucoup de jets à faire avec cette équipe. Et vous savez, ma chance sur les jets. Allez, on va regarder un peu ce que ça donne. Et c'est lui qui prend le toss, ok, très bien. Donc oui, les vampires du coup en fait jouent avec des vampires, hein, qui sont un peu boostés. Ils ont 4 de force, 4 d'agilité, c'est les seuls persos de Blood Bowl qui ont ces stats là de base. En plus, ils ont hypnotisme qui permet d'hypnotiser des joueurs adverses. Un peu dur à jouer, mais on verra, j'essaierai de le jouer. Par contre, ils ont soif de sang, qui fait qu'à chaque fois qu'on les joue, en fait, sur un 2+, et ben si on échoue, si on fait un 1, ils vont devoir boire le sang de quelqu'un à la fin de leur tour, et principalement d'un de leurs serviteurs, hein, car les autres types de joueurs de cette équipe, ce sont des serviteurs. Donc voilà, c'est du mec de base, hein, 6 de mouvement, 3 de force, 3 d'agilité, 7 d'armure, ils peuvent jouer la balle et taper, mais pas grand chose. Et du coup, ils vont principalement servir à servir de gourde, hein, comme on dit, pour nos amis les vampires. Sachant que du coup, on verra, hein, mais si on rate une soif de sang, il faut qu'on termine le tour à côté d'un serviteur, parce que si on peut pas boire de sang de son serviteur, on est exclu du terrain.
Donc du coup, il faut jouer de manière assez souple avec eux. On va voir un peu comment ça se passe. Donc pour l'instant, on est en défense. On va lui dire bonne chance à Fun. Au niveau de la défense, on va protéger un petit peu les vampires pour commencer parce qu'on n'en a que 4. Il n'aura pas trop de difficultés à avoir des 2D avec ses KO. Donc je vais pas blinder la première ligne. On va essayer d'empêcher ses piquettes de trop s'infiltrer plutôt. D'avoir des 2D trop facilement sur ce qui est derrière. Ça va être une des seules équipes avec beaucoup de force, je crois, qu'il y a dans la compétition. Donc il y a beaucoup de gens qui ont pris des halflings et tout pour s'amuser. Notamment parce que les halflings ont des cartes qui permettent par exemple d'empêcher les ents d'être sacrifiés. Ce qui est quand même assez pratique. Alors, petite mise en jeu, oh, jolie balle. Et le bottage est pas dégueu. Ah oui, et alors, j'ai pas parlé des règles de la coupe, mais il n'y a pas d'événement d'engagement. Donc ça va être quelque chose qui est un peu particulier déjà. Ils voulaient pas qu'on rajoute trop d'aléatoires dans une coupe où déjà on allait devoir sacrifier des gens, etc. Et ce sont des matchs avec prolongation, parce qu'il faut absolument un gagnant, donc ce sont des matchs avec prolongation. Comme ça permet d'être sûr d'en avoir un à la fin qui perd une vie, quoi. Donc pas de match nul, on se battra jusqu'au bout. Bon, pour l'instant ça s'est pas trop mal passé. Il va blitzer un vampire, logique, hein. Ah, et ça fail. Et ça refail. Parfait. Ok, il reste là. Non, il va ici. Très bien. Il me donne 2D sur son mec. Enfin, faut que j'annule ce support, mais de base, on a quand même 2D. Pourquoi pas? On va voir un peu comment il joue, hein, DJ Creeper. Est-ce qu'il est agressif ou pas? Avec ses bêtes. Sachant qu'avec Khorne, même elles peuvent réussir un blitz sur un vampire, hein, donc il faudra quand même qu'on se méfie un peu. Ok, il met de la force, il y va. Il compte pas faire enfin, me laisser faire une défense souple. Il bourrine direct. Alors est-ce qu'il ramasse la balle ce tour-là? Oui, il tente quand même. Ok, ça passe, il te fait une pseudo. Ouais, pseudo cage. Ouais, non, j'ai cru qu'il faisait demi-tour, mais c'était un petit lag. Non, il avance quand même. Ok, très bien. Alors, du coup, donc là, il a mis du soutien. Donc, on a 2D ici. Là, on pourrait avoir 2D aussi en mettant du renfort, pourquoi pas. On va commencer par relever les copains. Voilà. On a deux vampires à l'arrière pour aider. Donc ici on a 2D déjà, sans rien faire. On va prendre les blocs à 2D, parce qu'on a des mouvements intéressants. On pourrait commencer à les menacer par là. Et je pense qu'on va le faire, il y a beaucoup de paquets. Ouais, on a peu de mouvements. On va envoyer une personne derrière, pour l'emmerder un peu s'il veut faire une cage avec ses guerriers du chaos là. Et ici on va se replier. Alors, au niveau des soifs de sang. Ici, bah ici, là par exemple, je vais être obligé de mettre un serviteur dans le coin, parce que si jamais lui fait une soif de sang, je serai obligé d'esquiver si je veux me barrer après. Enfin, et je serai obligé de blitzer. Donc je vais être obligé de mettre quelqu'un. Ça, c'est l'inconvénient des vampires. Alors je vais pas les coller là, je vais taper là. Donc parfait, la soif de sang est passée. Donc le repousser là, mais on va rester par contre. Ah, une armure qui passe, c'est parfait. Et c'est une petite sonnette, très bien. Donc ici. Pourquoi j'ai pas de dé ici? Ah merde, petite déconnexion en attente du serveur. Ok, c'est bon. Donc ici on tape, ça passe pas, c'est pas grave. On va poursuivre pour mettre un peu de pression. Ici, on va essayer de dégager ce monsieur-là. Ibé, dis donc. Je sens que les jets vont être bien pour nous deux là. On va rester pour faire un support sur ce mec. Et ici, on va blitzer par là. Alors, on va gagner une case comme ceci. Donc là, vous voyez que par exemple, j'ai échoué mon soif de sang.
Ce qui fait que je comptais éventuellement faire tomber celui-là et m'infiltrer le plus possible, et je vais pas pouvoir, il va falloir que je reste au contact avec un de mes mecs. Donc l'avantage, enfin l'avantage entre guillemets, hein, mais quand on fait une soif de sang, on peut rejouer notre action. Là, par exemple, je peux très bien essayer de pas blitzer si j'ai envie de pas blitzer pour aller mieux me placer. Mais bon, en l'occurrence, ça m'arrange quand même de blitzer. Ouais, non, ça c'est vraiment pas rentable. Donc on va aller par là, on va poursuivre du coup. Et après, bah, il faut qu'on choisisse qui on va mordre. Donc on mord. Donc ça fait un jet d'armure automatique en fait sur les serviteurs. Un jet d'armure, je crois qu'il ne peut faire que des KO et des sonnés. Je crois pas. Enfin, quoi qu'on peut peut-être se blesser quand même gravement, je suis pas sûr. Alors lui, j'aimerais bien le reculer, mais le problème c'est que si je le recule son serviteur. Non, c'est bon, il a réussi son jet, donc on va juste le mettre derrière comme ça. Et on va passer le tour. Bon, on a quand même réussi un sonné, ce qui est pas si mal, on a perdu quelqu'un, donc on est pour l'instant égalité. Donc les vampires peuvent très vite décimer leur propre équipe, hein. Leur gros problème. Et du coup, claquer des relances sur des doubles crânes et tout, c'est super risqué avec eux. Pardon. Ah, une armure qui passe aussi, et c'est un sonné, très bien, il poursuit pas. Double crâne, et dis donc, c'est la teuf des jets des deux côtés. Alors, double pot pour enchaîner. Alors, où est-ce qu'il va se mettre? Pour l'instant, il a pas trop de quoi faire une cage, mais je pense qu'il va avancer agressivement, ouais. Ouais. Je pense que ça va être... La double peau, ok, sur un vampire, ça fait jamais plaisir, ça. Ok, ça tient. Bah, du coup, comme il m'a fait tomber, il va avoir 2 dés avec sa biquette. Et un pot. Ok. Il poursuit. Bon, on a pas mal de gens à terre. Là, il blitz, mais il a qu'un dé normalement. Ah, il a qu'un dé et ça passe quand même, et ben. Ça, c'est pas cool. Et il va marquer celui-là. Ok. Bon, le problème, c'est qu'on a plus de serviteurs debout. Alors, on peut mordre les serviteurs à terre, hein, mais ça fait un peu mal, quoi. Ok, il nous reste un mec ici. Un mec là. Donc là, on a moyen. Ah, il y a une mise de paquet. Il y aurait moyen d'aller là, tenter d'hypnotiser ce mec. Et si on y arrive, on a lui qui est libre pour aller blitzer là. Mais ça va être chaud. Donc déjà, ce qu'il faut qu'on fasse, on n'a pas le choix, c'est qu'on replie quelqu'un en défense à côté de ce vampire. Ça fait un peu chier, mais tant pis. Ici, on va relever lui. Ah, la soif de sang. Ok, ça passe. Donc là, c'est le problème, hein. Clairement, sur ce genre d'action au sol, là, où il n'y a aucun serviteur proche, c'est assez vite tendu. Lui, on va le relever. Lui, il va le relever, il va tanker un peu. Non, tu veux pas te relever? Si. Fait à la gourde, ne veut pas se relever. Ici, on peut tenter un blitz à un dé sans relance. C'est un peu chaud. On va plutôt tenter celui-là. Voilà, je sais pas si c'est ma connexion qui galère, mais ou si c'est la sienne, mais ça a l'air un petit peu tendu. Ah bah du coup voilà, double crâne, plus de relance, ça c'est fait. Hop. Bisous. On est au sol. La vache, il y a du 1 hein, sur cette première mi-temps. Ok, là ça tombe, cette d'armure, attention, ça passe. Un KO. Ok, bon, on a la serveuse, c'est pas trop grave, on a un remplaçant. Par contre, on va vite être en dèche sur le terrain. Sachant qu'on peut pas utiliser d'apothicaire contre eux, je crois, parce qu'ils ont régénération. Le jeu d'apothicaire s'il est autorisé. Mais c'est pas des morts-vivants, je sais pas, on verra si on peut faire des apothicaires, je sais plus.
Alors, ouais, ça va pas être facile, hein. On est déjà bien en sous-nombre. Et en plus, on fait des jets un peu pourris. Ok, les pots. Et nous, on crame nos 6 sur les soifs de sang, donc forcément, derrière, il n'y en a plus pour les blocs, quoi. Alors, est-ce qu'il tente une petite infiltration? Pas. J'ai l'impression qu'il veut blitzer ce vampire, mais il a pas moyen d'avoir 2 dés, faut qu'il amène du renfort s'il veut 2 dés. Ça va pas être facile. Pas une stratégie contre les vampires, hein, c'est d'éliminer tous les serviteurs, hein, parce qu'une fois que les serviteurs sont éliminés, les vampires ils se retrouvent dehors dès qu'ils ratent une soif de sang. Ok, petite infiltration. On pouvait s'y attendre. Ça serait pas inintéressant parce que là, ouais, on a éventuellement des possibilités. On va voir comment ils se terminent, mais on a peut-être moyen de faire des hypnotismes et des trucs un peu fun après. Faut voir. Ouais, il met beaucoup de zones de tacle, donc ça va être compliqué. L'hypnotisme est basé sur la zone de tacle, hein, je crois. Ah bah, oh la vache quoi! La violence des crânes, c'est ouf. Ok, bon bah déjà on va se relever là, ça c'est fait. Ici, attends, ici on est marqué mais comme des porcs. Il y a un vampire dans le tas, donc on va faire attention. On va relever les deux serviteurs. Ensuite on va regarder un peu nos possibilités. Donc là si je fais un regard hypnotique sur lui, ah mais je peux avoir l'estimation ou pas? On va tester. Ouais non, c'est du 5 plus le regard hypnotique, c'est bien ce qui me semblait. Ça. Les zones de tacle jouent donc ça fait un peu mal. Je pourrais essayer de dégager lui, d'aller faire un regard là, mais ça sert à rien. Sinon je peux faire une esquive là. Ouais, je peux pas rentrer dans le tas. Faut que j'annule les soutiens là, mais faut pas que lui fasse une soif de sang par contre, sinon on est dans la merde. Oh, y a un paquet si je fais ça, putain, c'est la dèche. Bon, on va déjà faire ce bloc là, il est à peu près safe. Ah bah ok, bon, de toute façon, j'aurais fait des 1, comme ça au moins, c'est clair. Très très bien, quoi que j'aurais fait, ça aurait foiré. Donc bon, bah là, on va prendre un TD, je pense qu'il n'y a plus trop de. Il n'y a plus trop de doute, hein, il faut qu'il court jusque là. Bon, si tente le GFI, ça vaut peut-être pas le coup. Il y a encore une relance, mais c'est pas très très intéressant. Et là, il va nous cerner notre seul vampire debout là. Lui, il va prendre cher. On a même pas pu bouger celui-là, quoi. Pff, voilà. Ici blitz ou pas, j'ai pas vu, mais non, blitz pas. Oh là là, mais c'est ouf, hein, mais de deux côtés, hein, faut avouer, dès qu'il y a un bloc. Alors, il a un peu plus de chance sur ses pots, mais c'est quand même pas facile, hein. Purée, on a cramé toutes nos relances au tour 4, quoi. Merde, j'ai peur que ce soit ma connexion qui soit en PLS. Parce qu'en ce moment, elle est un petit peu faiblarde.
Ok, donc là on est tombé, ici il va me sortir du coup, hein. L'idée c'était que normalement il puisse pas me blitzer là, mais bon bah du coup j'ai rien pu faire donc... On sort et on est KO, bon bah très bien. Et à Emile, vu la quantité de KO qu'on a, mieux vaut qu'il marque vite. Hein. Clairement... Ouais, placé, ouais, j'ai dit. Après, on a 4 de force, 4 d'agilité, hein. On peut tenter des trucs YOLO, mais ça va être un peu tendu quand même. Et là, j'ai bien envie de dire que faudrait que je blesse un peu ces biquettes si je peux et qu'on termine, qu'il marque assez vite, quoi. Je pense pas qu'il va stall, il fait une cache pour se protéger, mais. Bon, après, il peut, hein. Vu que l'objectif c'est de gagner, de toute façon, il n'y aura pas de match nul. Et on a que 3 vies. Ah, il me repousse, il me libère là, tiens, intéressant. Pourquoi il m'a pas. Ah, il voulait pas libérer celui-là, peut-être. Ah, le pauvre. Oh, on va avoir personne debout, quoi. Fait chier. Ah, j'aurais bien voulu avoir un petit bloc quelque part pour taper une piquette, mais. Donc là du coup, je peux quand même tenter ça, hop on y va. Je relève personne pour l'instant parce que c'est des vampires, hein, donc j'ai pas envie qu'ils se prennent une tatane pour rien. On a que dalle comme mouvement bien sûr, puisqu'on est, on est à poil, on était par terre. Donc ici on peut quand même pousser jusque là, ouais bof. On va aller emmener du renfort ici pour faire un bloc sur une biquette. Mais j'ai pas envie de relever mes mecs et qu'ils se prennent des tatanes, donc pour l'instant on va déjà tenter ce bloc qui passe. Hop là, donc ici on a quoi? Deux vampires. Hein. Ce qui veut dire que quoi que je fasse, il faut que j'amène un serviteur derrière eux techniquement. Non, on va l'amener là. On va relever lui. Voilà, ça passe. Et on va relever celui-là, ça passe aussi, ce qui veut dire qu'on va pouvoir esquiver un peu et aller par là, parce que c'est bien utile. Plutôt par là. Voilà. Alors ici on a un vampire également, on va essayer de le relever, la soif de sang qui passe, c'est cool. On se relève là. Il y a beaucoup de paquets, une esquive à 3+. C'est bon, on va s'arrêter là. C'est un peu de la merde, mais bon. On peut pas faire grand chose. Il va falloir qu'on lui mette la pression pour le forcer à marquer. C'est pour ça que j'essaie de mettre un peu de force là sur ces gros tas. Ah, les pots. Même si mettre un peu de force reste un peu relatif dans le contexte. Je suis bien d'accord avec vous. Ok, une sonnette. Donc lui il va se prendre du coup un blitz qui repousse juste, c'est plutôt pas mal. Donc celui-là est libre pour faire ce qu'il a envie de faire. Toute la merde par là, ah, il veut mettre un peu de force là, bon il a ce qu'il faut non? Ah oui non, lui il est pas marqué donc il a qu'un dé. Donc il veut taper sur le serviteur, c'est pas déconnant, ça échoue. Ok. Attaque un seul dé, alors soit il marque, soit il ponctionne pour aller rapporter du renfort. Parce que là mine de rien, bon, on va pas dire qu'il est en sous-nombre parce que j'ai quand même 3 mecs dehors. Mais il est pas non plus super bien. Alors, il a décidé de ne pas marquer, ce qui veut dire que... Si j'arrive à hypnotiser ce monsieur, je peux faire un petit blitz par là. Je bouge avant. On va aller là. Hop, la soif de sang qui réussit. Hop là, donc lui il est hypnotisé. Ce qui veut dire que je peux du coup passer ces zones de tacle un peu plus facilement. Il faudrait que j'hypnotise aussi celui-là. On va tenter.
Hop là, un petit regard hypnotique des familles sur le monsieur. Ah, c'est un échec, dommage, c'est pas trop trop grave. Ouais, tant qu'à faire ça, il faudra que j'ai au moins 2 dés. Oh, la soif de sang, c'est chier. Alors ça, c'est la lose, mais c'est pas grave, on va quand même... On va quand même y aller, donc on va avoir lui et un turnover, mais c'est pas grave. On va même pas pouvoir mettre une zone de tac sur la balle, mais l'idée c'est de le faire marquer. Le vampire est pas exclu ou quoi que ce soit, il reviendra après. Donc là voilà, la soif de sang ne peut pas marcher, donc il sort, mais je crois qu'il y a turnover. Hein. Ouais, il y a turnover. Et c'est pas grave, ça lui met de la pression sur la balle. Pas beaucoup, hein, il se remet là et puis voilà, mais... Pendant ce temps-là, on perd des joueurs. Et nos vampires sont bien placés. La soif de sang, c'est vraiment, vraiment très très dur à gérer. Ok, ça me dit de cela. Oh, ça tombe, putain, c'est ouf. Il a quand même un chouïa plus de chance, hein. On est tous les deux assez poissards, mais il est quand même un peu moins poissard que moi, j'ai l'impression. C'est pas une impression, hein, mais... Le bon vieux ressenti de Blood Bowl, mais... Ça donne quand même cette impression. Oh là là, ça tombe encore. Et ça tombe encore. Et là, il n'y a plus du tout de relance de deux côtés. Hein. Il peut faire un turnover à n'importe quel moment. Alors que moi, théoriquement, voilà quoi. Ok, alors on va se relever là. On va se relever ici. Donc ici, on pourrait tenter des choses, mais franchement, c'est pas ouf. Ici, c'est de la merde. Ouais. Ouais. Bon allez, c'est parti, on tente. Ah là, ça veut pas les connexions là. Ok, au moins il tombe, c'est déjà pas mal. On va rester. Il me faut un serviteur là. On va relever lui. Oh putain, la soif de sang quoi. Non bah reste par terre. Je sais pas si ça fait quelque chose en fait. J'avais pas envie de boire le sang de lui, j'aurais peut-être dû. Après voilà, il revient au prochain tour, mais... Ça commence quand même doucement à piquer. Il n'y a pas de blessure, mais ça commence quand même doucement à piquer. Finir la mi-temps comme ça, c'est pas grave, on a une deuxième mi-temps après pour s'en remettre. Ça m'emmerde de pas avoir réussi à faire une seule blessure sur une biquette, même pas un petit KO quoi. Il a pas de serveuse en plus donc.
ça sert plus à rien de le relever. Et là, double chute. Et on est KO. Oh putain, c'est ouf. Ok, et lui rien, parfait. Bon bah on commence à être vraiment en déj de serviteur, ça fait un peu chier. Du coup ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on blitz cela. La soif de sang, oui bah la soif de sang, ouais, blitz cela mec. Hop, hop, bah du coup tu vas poursuivre, tu vas boire le sang de ton copain. Hop, et hop. Il avait réussi à survivre, il a un jet de blessure, il est sonné, ok. Ici on a un serviteur, on va le relever. Puis bah ici on va tenter un bloc à un dé parce que pourquoi pas. Ok, on pousse. C'était peut-être pas une bonne idée de le relever là, je voulais le relever pour éventuellement être en avoir un dispo mais... Il oublie pas de marquer, ça aurait été dommage. Cette tête de gobelin morte quoi. Ok, alors, les KO. Ok, c'est pas mal vu la quantité de KO qu'on avait. On a quand même un mec malgré notre remplaçant. Bon, on fera pas de miracle sur ce truc, hein. Les one turn avec les vampires je sais pas faire, ils ont 6 de mouvement donc c'est complètement improbable. Mais on peut peut-être quand même essayer de se réussir quelques blocs sympas, on va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, beaucoup trop loin. On blitzera pas à l'arrière, mais il va être obligé de nous donner 3 mecs en pâture, hein, donc on va les bouffer. Ou peut-être faire un double crâne direct dessus, hein, je ne sais pas. Ça reste une possibilité. Ok, alors à nous, du coup, qu'est-ce qu'on a on va peut-être garder un vampire à l'arrière pour faire une passe à XP, parce que il faut qu'on gagne de la TV dans, dans cette coupe. Ensuite, bloc. Bloc en diagonale comme ça. Bloc en diagonale comme ça, bloc en diagonale comme ça. Bloc en diagonale comme ça. Le vampire... avec son mec à boire. Y a pas d'événement d'engagement, hein, donc c'est parti. Ok, alors du coup. Ça passe. Reste. Alors une armure qui passe et c'est un sonné, donc lui va se faire piétiner la tronche je pense. Ici repousser par là-bas, la soif de sang, c'est pas grave, vas-y tape, de toute façon c'est pas comme s'il y avait le choix. Tu restes et tu mords le copain qui est là. Voilà. Alors lui, on va le blitzer. Hop, voilà. Oh putain, sérieux. Oh là là, la déprime. Oh la CG. 3D que D1 quoi. Bon, tant pis, on a un deuxième retour, tout le monde revient. Parfait. Ça c'est cool. On va donc être blindé en attaque. Bon, on va pas se placer comme ça pour l'attaque, comme il se placera pas comme ça pour la défense, je pense. J'aimerais bien réussir à faire un peu d'XP, ce serait cool. À la limite perdre, hein, pourquoi pas, mais au moins une petite blessure, un truc du genre. Ce serait quand même pas dégueu.
Bon, avec le chaos et avec contre les vampires, on va pas pouvoir totalement abandonner le centre. En général, j'aurais mis 3 mecs bidons en face et puis je les aurais laissés se dépatouiller. Mais là, vu qu'on a besoin des renforts de serviteurs, on peut pas trop se permettre. Ce qui veut dire qu'on va se préparer quand même à tenir au centre un peu. En plus, il a mis ses mecs sur les côtés. Donc ça, c'est pas cool. On va faire ça. Prendre des blocs quand même par là par là. Alors la biquette, j'ai pas envie de la laisser totalement libre, mais on n'est peut-être pas non plus obligé de lui mettre trop de monde. Mais si je fais ça, il n'y aura pas d'annulation de support. Non, on est obligé de faire un truc comme ça. On va taper là, à 2D. Ici on a ce qu'il faut. Et ici on a ce qu'il faut pour tenter un blitz avec de la soif de sang. Allez, c'est parti. Et j'ai cru qu'elle était dehors, mais non. Donc, déjà, on va poser le serviteur là. Voilà. Ça c'est bon. Ensuite, on tape. Donc ici, 2D. Un pot, parfait. On va l'envoyer au centre et on va rester. Ensuite, ici. Ça passe, parfait. On va l'envoyer au centre et on va rester. Ici, on va se placer par là. Lui, on va le placer par ici. Et on va prendre un blitz comme ceci. Allez, papillote, c'est à toi. Tu fais de la merde. Ok. C'était pas ouf, papillote. Tu m'as habitué à mieux que ça quand même. On va poursuivre parce qu'on est quand même à peu près infiltré. Je peux pas m'infiltrer tout seul sans serviteur, mais on est quand même un peu infiltré. Ici, on va sacrifier un mec là. Alors ici, il faudrait qu'on ait un peu plus de force. Et on peut avoir un peu plus de force grâce à lui. On va donc taper. Pot, parfait. Alors là, on va poursuivre comme un sac, et du coup on a deux de force là. Et ça passe. Est-ce que je repousse mon mec par là pour qu'il marque là? Oui. Hop. Et tu vas rester à côté de ton copain vampire. Voilà, parfait. Donc eux sont au sol est pas marqué, mais ils ont très peu de mouvement quand ils sont au sol, donc c'est plutôt cool. On va tenter un ramassage de balles. La soif de sang qui proc, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est pas dramatique. On va du coup avancer, hein, parce que c'est pas avec ces biquettes qui va me rattraper. Et on mord. Oui, du coup. Madness le chauffe-fou. Est-ce qu'il va résister? Et il est sonné, parfait. Et on s'arrête là. Bon, toujours pas de blessure, mais au moins on a réussi à faire tomber des gens. Et ça, c'est quand même plutôt positif. Et on n'est pas trop mal pour aller s'infiltrer, tenter de marquer. Alors je sais pas trop si je marque vite ou pas. Enfin, déjà je vais essayer de marquer bien sûr, mais... Si j'ai l'opportunité, je sais pas trop si j'essaie de marquer vite ou pas. Parce que techniquement, si je fais égalité rapidement, il a quand même potentialité de marquer de son côté. Et on a vu qu'il peut quand même pas manchot à ce jeu-là et qu'il n'hésite pas à stall. Donc ça peut être intéressant de viser l'égalité, de faire durer le plus longtemps possible, puis de tâcher de jouer sur les prolongations. Pourquoi pas? Bon, pour l'instant, ces blocs passent. Par contre, les armures tiennent, ça c'est cool. Alors, il s'infiltre pas, visiblement, il a envie de me bâcher. Il veut bâcher du serviteur. Double crâne, voilà, comme quoi ça arrive, hein. Et ça passe pas. Il faut faire attention, faut pas oublier que les serviteurs sont pas non plus trop manchots pour bâcher. Donc
Donc là il met de la force pour éviter que je sorte son gars trop facilement. Pourquoi pas. Ah non, il voulait carrément taper et en plus ça passe quoi. Putain. Le 1D sans bloc avec relance déjà utilisée. Il a quand même du cul le monsieur. Alors ici on se relève. Ici on se relève aussi. Voilà. Alors ici on a moyen d'avoir 2 dés là. On a moyen d'avoir 2 dés ici également. Ici on a que 1 dé. Mais on peut peut-être réussir des choses. Je pourrais jamais avancer par là. On va tenter ce premier jet. Qui rate. On va quand même poursuivre pour foutre un petit peu la merde. Ça c'est que du 1D, par contre là on a 2D, on va taper. Ok, ça ça passe. On balance par là. Et on reste à côté de Papa Vampire. C'est une sonnette. Très bien. Donc lui, il peut aller jusque là avec des actions un peu de merde. Donc il ne va pas aller jusque là. Il va aller jusqu'ici plutôt. Alors, ici je blitzerai peut-être un dé après, je verrai. Là on va tenter ce bloc à 2 dés là. La soif de sang, on passe, on va bouffer d'autres là. Tant pis. Oh, putain. En plus on va même pas réussir à le faire tomber, mais on va poursuivre du coup, hein, parce que sinon ça va être vraiment trop le drame. On mord le copain à côté. Et c'est un KO. Fais à tuer KO pour la bonne cause. Alors là par contre lui, il est un peu à poil malheureusement. Du coup, parce que là ça va tomber. Ici. Pff, voilà, c'est le drame quoi. C'est vraiment le drame. On va juste se relever ici, tant pis. Je peux pas faire grand chose de mieux. Si je me rapproche, en plus si je me rapproche, je peux pas me rapprocher jusqu'à portée d'un serviteur, c'est ça qui est un peu triste. Donc on va essayer d'aller par là, la soif de sang réussit, ça c'est la bonne nouvelle. Donc il s'est beaucoup concentré par ici, on va essayer de se faufiler par là. En plus je peux prendre moins de risques que lui, hein, parce que lui il peut se permettre des 1D et tout tranquille. Moi je suis obligé de garder mes relances pour les soifs de sang. C'est un peu plus tendu quoi. Ok, lui il reste debout au moins. Il prend pas d'extra bloc, par contre il tape sur le vampire qui reste debout. Il me fout par là, ça me convient tout à fait. Il va pouvoir là il va prendre des extra blocs par contre. Hein. Ah parfait, une relance et ça repousse. Ça c'est très très bien. On a 2 dés sur ce mec du coup avec le vampire si on veut pour l'instant. Ok, blitz là. Et c'est le turnover. Comme quoi, hein. On est vraiment sur un match avec des 1. Il n'y a pas d'autre mot. Donc lui on va pas le relever tout de suite, on verra ce qu'on en fait. Quelles sont nos possibilités? Il faudrait quand même qu'on s'infiltre à un moment. Lui il va courir. Madness, il faut qu'il rattrape un peu la foule là. Ici on pourrait s'infiltrer. On pourrait s'infiltrer assez loin ou s'arrêter là si jamais on se rate. Après c'est pas ultra safe non plus, pareil avec lui. On va essayer de le relever lui. Voilà. Parce qu'il faut qu'il y ait une soif de sang qui réussisse pas, c'est lui, il faut qu'il reste là pour tanker. Ici on tanque un peu. Ici on a un bloc à 2 dés à prendre, on va le tenter. Ok, ça passe. On va le repousser par là. Et on va rester au contact de la masse. Ici du coup, je tente une petite infiltration. Ça passe. Avec un serviteur pour filer un coup de main. Et là du coup, si j'avance jusqu'ici, c'est quoi?
4 plus 2 plus. Enfin, avec une relance, franchement, ça se fait. Hein. C'est pas super safe, mais ça se fait. Allez, on va tenter. Oula, en attente du serveur, qu'est-ce qui se passe? Ok, il a réussi sa soif de sang. Ouais, oui, je relance. Oui. Hop, Chobitif qui passe et réception. Pas mal. Donc, du coup, on protège un peu. Et on termine le tour. Il va falloir, on est en sous-nombre, hein. Il va falloir qu'il fasse des jets avant de réussir à me taper dessus, mais il peut tout à fait blitzer là, hein. Il a des possibilités, il a tout à fait des possibilités. Voilà, par exemple, si lui tombe, c'est le drame. Lui est libre du coup, mais il n'y a pas encore assez de support. Ah, putain. Apothicaire, c'est un vampire. Ok, les remplaçants. Tu vas même pas regarder c'était quoi la blessure. Ah là 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 là, GF qui tombe. Relance, allez, rate, double 1, non, pas double 1, donc là il va avoir un blitz à 2D sur la balle, fût, j'ai envie de dire. Oh putain, mais c'est pour quoi? On va en plus récupérer la balle, merci. Oh la vache, c'est 6 quoi. Bon là c'est cool, c'est qu'il me repousse là, enfin si je suis encore debout bien sûr, enfin si je suis pas sorti. Ok, ici il tente un bloc et un dé sans relance et ça passe, pas de problème. Là pareil et ça passe aussi, oh là là mais c'est ouf. Putain c'est assez violent quoi. Hein. Un KO pour Marion, très bien. Ici, ouais, il faudrait que je tente un GFI, mais alors. Tant pis, on va le tenter quand même. Oh là là! Ouais, je pouvais faire n'importe quoi, hein, tenter de relever des vampires et tout. De toute façon, c'était un 1, j'aurais raté une soif de sang, c'était le drame quoi. Donc, à partir de là, franchement, ça va être compliqué. C'était le risque de jouer avec les vampires en connaissant ma poisse. Hein. C'était aussi, c'est aussi pour ça que. Enfin, je savais quand j'ai choisi de jouer les vampires, on va dire. Ok là ça pousse, il va avoir un extra bloc qui va pot à tous les coups. Ah non il poursuit pas, il préfère rester là. Il veut blitz ici pour me sortir. Ouais blitz un vampire c'est peut-être un peu plus rentable effectivement.
Ça repousse. Il n'y a plus de zone de taxe sur la balle. Hein. S'il rate un jet, ça peut très vite partir en couille pour lui. Hein. Ok, là il double marque. Il va quand même tenter de ramasser la balle. Allez, rate. Oui! Bon, il y a deux zones de taxe sur la balle du coup, mais c'est raté au moins. Comme quoi, il fait quand même quelques 1 de temps en temps. Alors ici, on va se relever avec eux. Ici, on se relève avec lui. Il n'y a plus personne derrière. Donc là, on a un vampire plus ou moins disponible. Qui pourrait tenter des trucs. Ici, on a un vampire. 4 plus esquive, 4 plus ramassage avec 2 soifs de sang. C'est même pas si pourri en plus comme j'ai. C'est ça qui est ouf. On pourrait se débarrasser d'un mec. On va tenter. J'ai bien envie d'essayer d'amener l'huile là, mais il y a quand même. Enfin, il y a quand même beaucoup de jets, pas tant que ça hein, techniquement. Mais... Allez, on va tenter. Des actions un peu YOLO. Hop, il en faut. Hop. On poursuit. Là du coup, c'est plus qu'un ramassage à 3+, hein, ça se fait largement. Ou pas. Ok, très bien. Très très bien, ça se faisait pas finalement. Non, eux, ils sont en danger. Hein. Faut qu'il me repousse là, il va poursuivre et pouf dehors. Voilà. C'est qui ça? John Kaku. Bah John Kaku, je suis désolé, tu vas probablement finir le tour dehors. Ça c'est toujours un dé, ça t'as pas amené de renfort donc ça ne va pas changer. Voilà, hop, allez résiste. Ok, ça va. Enfin ça va. Encore faudrait qu'on ait un engagement pour récupérer notre équipe quand même. Ensuite blitz cela, très bien. On est loin de la balle quoi qu'il arrive. Enfin, de toute façon c'est un pot donc pas pourquoi on s'inquiète. Ramassage, allez, rate. Rate-le. Non, ok, très bien. Tente une passe peut-être pour se tirer. Non, il tente pas. C'est risqué ça, il y a quand même un vampire là. J'imagine qu'il va essayer de me marquer. Putain, les pots quoi. Mais calmez-vous sur les pots, sérieux, c'est ouf. Hein. En plus, les passages d'armure. Ça va commencer à être vraiment douloureux. Donc là, il se barre pour permettre une passe, ok. Bon, lui, il va finir dehors aussi. Enfin, au moins, ça occupe son guerrier du chaos. Toujours ça de prix. Alors, ça c'est un serviteur, ça c'est un vampire, ça c'est un vampire. Ici on a un mec qui est toujours, toujours disponible, qui pourrait tenter des trucs avec des GFI par là. Bon, ça lui sauvera pas le cul, hein. Il va, de toute façon il y aura 3 personnes autour de sa tronche au prochain tour. Mais... Allez, petite connexion, pédale, 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 pédale. Ok, très très bien. 2 plus, 2 plus, 2 plus. Franchement, ça passe. Et un pot, voilà. Viens par là, on poursuit. Ça c'est fait, voilà, c'était à l'arrache. C'était cadeau, ça m'a fait plaisir. Ici, 2 plus, 2 plus ramassage, on tente. Voilà, fastoche. Une passe là, ouais, c'est peut-être un peu abusé quand même ça. Hein. 4 plus, 4 plus sans relance, il me reste combien de tours? 3 tours. 3 tours, mais je suis vraiment sous nombre de partout.
Voilà, je vais me faire blitzer. Hein. Attends, il faut qu'il amène. Non, il y a eux qui sont largement à portée. Allez, on tente. On s'en fout. Non, c'est raté, mais la balle a reculé un peu quand même. C'est ouf, hein, mais de se dire que là, tout ce que j'ai réussi, c'est des 2 plus, hein. 3 plus, 5, 5, 4, un petit 6 sur la passe. Ça l'oblige à faire des jets, toujours pareil, il peut se rater. Voilà, là ça repousse juste. Donc notre mec reste en position de marquer, même s'il faut qu'il arrive à récupérer la balle. Ici ça aurait pu être un double crâne, mais c'en est pas un. J'apprécierais un petit double crâne qu'il ait un turnover, quoi, parce que j'en ai eu beaucoup, des turnovers de merde. Ce serait assez agréable, franchement. Un petit 1 là, un truc, quelque chose quoi, histoire de dire qu'on n'est pas les seuls à en chier. Voilà, là il va se retrouver dehors, pousser dehors tranquillement. Ou alors il va se faire blesser, et il va se faire blesser. Locarius, tu es blessé, qu'est-ce que t'as? Une commotion, on s'en fout. Allez, un 1 sur ce ramassage là, franchement. Ça serait mérité. Après tous les blocs à 1D greedy qu'il a fait qui sont passés, rater ce ramassage, ça serait complètement mérité. Faut qu'il rate ce ramassage. Voilà. Parfait. Parfait. Alors là on va pas se relever, parce que si on fait une soif de sang là-dessus, ça serait complètement con. Ici on peut taper. Pour essayer d'enlever de la zone de tacle à lui, non, ça sert à rien. On peut tenter un regard hypnotique, mais ça va être du quoi? Du 5+, du 4+, du 4+, ça sert à rien non plus. Parce qu'on lui enlève toujours pas de zone de tacle si on fait ça. Que là on peut faire 2+, 2+, 3+, ramassage, on tente. Est-ce qu'il veut 2+? Allez, une réception à 4+, des fois faut que ça passe, voilà. Et l'esquive. Hop là. Voilà. Fastoche. Putain, cette action quoi. C'est n'importe quoi. Ce match, ça c'est n'importe quoi quand même. Hein. Ok, on a du coup un KO. On va récupérer tous nos blessés surtout. Comme on avait un remplaçant, on est bien. En défense. Alors, on va pas mettre celui qui a un peu d'XP devant. On va se mettre plutôt comme ça, et cette fois on va prendre une stratégie un peu différente par contre. Ah putain. Alors ouais, ce que je voulais faire c'était faire plutôt cette fois une ligne de vampire. Mais on va leur mettre des... On va se mettre un peu plus en avant avec nos vampires. Et on va mettre des serviteurs en renfort. Et toi... Tu vas aider qui? Nilak, Chobitif. Allez, Chobitif. Ça se fait d'ailleurs que je peux pas être symétrique, j'oublie quelqu'un. Oui, bah écoute, tire donc ici. Pas commencer à prendre des risques. What? Ok, très bien. Le jeu qui a décidé de te pourrir jusqu'au bout. Enfin, non, au moins un, hein, il l'a pas ramassé. Il a deux tours pour marquer, hein. C'est faisable. Pas facile, mais faisable.
Ok, il attaque direct comme ça passe. Je crois que le premier truc que je vais prendre sur mes serviteurs, si je peux, c'est esquive. S'ils ont certainement pas assez à esquive. Ok, donc il va tenter de ramasser puis de construire un mur dans cette zone-là, peut-être. Après, là, il n'y a plus personne pour aller aussi loin. Hein, donc, bon, il y a deux tours, mais faut qu'il ramasse la balle et qu'il la protège. Pour l'instant, il est un peu à poil dessus. Ah, c'est pareil, se coller à la ligne, c'est un truc que je fais jamais normalement, mais vu qu'il n'y a pas d'événement de coup d'envoi, ça peut complètement être rentable. Alors, vu qu'il y a des prolongations, normalement, on est censé essayer d'économiser un peu les relances, mais bon. Autant dire que là, ça a été un peu le drame. Alors, il va blitzer un vampire, il faut qu'il dégage des gens. Ah, c'est tendu hein, pour l'instant c'est tendu. Bon après je peux pas me barrer avec un vampire et un serviteur, donc c'est aussi tendu de mon côté, mais moi il faut que je joue la prolongation, donc faut juste que je l'empêche de marquer là. Il a... Ah ouais, mais après il a personne en position de marquer. Est-ce qu'il est en position de marquer son mec en bas? Faut que je vérifie. Si lui est pas en position de marquer, c'est bon. S'il est en position de marquer, faut que je me concentre sur celui-là et c'est tout. Pas besoin de contre-attaquer ou quoi que ce soit, ça n'a aucun intérêt. Ok, il prend la balle. Il veut tenter une passe tout de suite peut-être? Bon, je pense pas. Non. Alors, toi. Lui, il peut marquer, très très bien. Ok, alors, on va se relever là. On va aller poser lui déjà ici. Ça fera à la fois une défense et un serviteur, en cas de besoin. On va essayer de minimiser les jets, hein. Ce qui veut dire jouer un seul vampire, celui qui est nécessaire, c'est-à-dire celui-là, pour repousser par là. C'est parti. Ok, la soif du sang passe, l'esquive passe, le bloc. Le bloc passe, c'est nickel, il peut plus marquer. Donc on va pouvoir taper un peu. Allez, une petite armure qui passe. Non, si, non. Oh, un KO. Ouh, attention, attention, ça déconne plus. Ici, on n'a qu'un seul dé. On a déjà blitzé, donc ces deux-là peuvent servir à rien. Donc du coup, lui, il va faire une soif de sang et foutre la merde. Donc on va se contenter d'amener un support là. Pour faire un bloc à 2 dés sur celui-là. Qui passe. Parfait. On va rester, j'ai pas envie de coller un vampire à un mec du chaos là. Et voilà. On va donc pouvoir vous proposer des petites prolongations. Donc sur les prolongations, le premier qui marque gagne. Si personne ne marque, il y a tir au but. En gros, on lance des jets jusqu'à ce que quelqu'un perde. Double chute, bon il y a 9 d'armure moins 8, ça peut mal se passer pour moi. Hop là. Prolongation. Des écrans noirs quoi. Et merde, on est en défense. Qu'est-ce que c'est que ce positionnement? C'est mon positionnement d'attaque. Pourquoi tu me mets ça? Alors, qu'est-ce qu'on a? Sous la cape. Ouais, c'est pas mal ça, hein. Dernier placement. Ouais, on a vu que c'était bien mais pas ouf. Cercueil armé, ça ressemble à peu près à ce que je veux faire. Ah mais oui, mais j'ai un blessé, c'est pour ça qu'il me manquait quelqu'un.
Bah du coup on va tenter ça. Le cercueil armé. J'ai même pas regardé si il m'avait pas foutu le mec. À... Non, c'est bon. Il m'a pas foutu le mec qui a marqué devant. C'est qui a marqué? Dripek Mortomat. Ah oui, Dripek, c'est vrai, tu m'avais demandé de mettre un presse citron dans l'équipe Amazon vu que c'était jaune. Alors là, je me suis dit, vu que c'est les vampires, je vais te mettre un Mortomat. Donc si tu passes par là, et eh bien voilà, tu t'appelles Dripek Mortomat. Alors. Ok, bon bah au moins c'est tombé là, on a visé. Alors, tour 17, donc il faut qu'on pique la balle et qu'on marque. Sans aucune relance. Avec des vampires. Et en plus il fait des pots. Autant dire que ça va être folklorique. Donc il va nous refaire la même, hein. Normal. Je pense qu'il va essayer de marquer vite cette fois. Infiltrer quelqu'un, tenter une passe. Tenter ses blocs avant. Aucune relance, hein, c'est super chaud. Hein. Le moindre jet qui rate, ça peut partir en sucette. Hein. Un pot. Après, il va marquer mon vampire avec son mec, c'est pas mal. Il a l'air d'être plutôt... plutôt doué en push-push, l'ami DJ Creeper. Et moi, il faut vraiment que je me remette dans le jeu, parce que du coup, ça fait 2 ou 3 semaines que j'ai pas fait un match, ça se sent quand même. Hein. Alors, est-ce qu'il a tenté la mise de paquet à l'entente du serveur? Est-ce qu'elle passe et passe pas? Donc, c'est le turnover. Il a pas ramassé sa balle. Donc là on a une opportunité, très clairement, on va la prendre. Alors là il y a une esquive, ah oui il y a une esquive quand même. Du coup s'il y a une esquive, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer. On va les relever, je suis désolé pour vous les gars mais vous allez tenir le pack, comme dirait l'autre. Alors lui il peut aller jusque là et lui à peu près au même endroit. Donc on va tenter de repousser par ici. Pour dégager la zone de tacle, ok, ça suffira. Alors, est-ce que je poursuis? J'ai bien envie de pas poursuivre pour infiltrer deux vampires. Ouais, je vais rester et je vais me tirer avec lui. Voilà, ensuite lui, du coup. Par là. Et là je peux... Oula, encore le serveur qui galère. Si je réussis la soif de sang, je peux tenter 2 GFI jusque là-bas. Ça serait pas si mal, mais avant je peux peut-être faire d'autres trucs. Par exemple taper sur lui à 2D. Ok, on repousse. On va aller par là. On va poursuivre, j'ai pas particulièrement envie que ce mec me reste collé. On va aller mettre lui ici pour bloquer celui-là. Et lui, est-ce que je le mets ici pour qu'on puisse taper sur ce guerrier? Pourquoi pas, on va le faire. Hop, ok ça passe. On reste. On garde du vampire à peu près libre à l'arrière, bon même si j'ai dû libérer celui-là. Et là on va tenter du coup 2 GFI pour aller se mettre sur la balle, vu qu'on peut malheureusement pas la ramasser. Ça passe. Ok, c'est pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal. Lui, il va galérer à revenir. Bon, il va pouvoir, je pense, avec ses cornes faire des trucs. Oui, là il peut blitzer à 2D, mais ça veut dire qu'il a plus personne pour ramasser. Enfin, en tout cas, plus personne pour ramasser et passer. On a quand même eux qui sont infiltrés. Là il va probablement galérer à débloquer ça, ici aussi. Ok, il blitz direct. Avec un seul dé. Aucune relance, hein, toujours pareil, hein, aucune relance, c'est tendu. Hein. Ok, là ça passe, il pousse, parfait. Enfin parfait. C'est pas parfait mais au moins je tombe pas.
Du coup, il libère la balle, il ramasse, il se tire, si on peut dire. Ça passe. Donc il va falloir qu'on fasse tomber la balle, on a du monde, c'est jouable. Alors là, les pots. Aïe. Alors, il n'y aura plus aucun autre engagement, hein, donc faut qu'on évite les blessures si on peut. Enfin, on peut pas y faire grand chose, mais faut qu'on les évite quand même. Ici, il gagne 2 dés là, ok, ça passe. Il me repouche près du vampire, ça me convient. Je vais juste me relever. Encore un pot. Bon là, faudrait qu'il tente un dé, qu'il rate et qu'il se tue, ce serait cool. Parce que franchement, les pots, ça a quand même bien joué sur ce match. Ici, on va aller se mettre là. Ici, on se relève. Ici, on se relève aussi. Non, tu te relèves pas. Si tu te relèves. Toi, tu es libre. Alors, j'ai pas forcément besoin de toi tout de suite. D'abord, on va faire ça. Oh la vache! Ah putain! Et en plus, la balle tombe libre, quoi. Oh là là, du coup lui il va tomber, il va libérer deux mecs. Oh la vache quoi. On a des mecs libres, il a des mecs libres, c'est totalement le bordel quoi, on n'arrive rien, aucune action. Merde, ça passe, un KO, fais chier. Magix, c'est ta coupe, relève-toi. Comme quoi. Prévoir de bouger hein, après une action, c'est toujours risqué parce que bah, ça peut complètement partir en couille. J'aurais bougé avant, j'aurais été sur la balle et tout. Là, c'est mort. Ok, ça pousse. On va quand même libérer un guerrier du coup. Ils ont toujours 3 d'agilité, hein, ces enfoirés de guerriers donc. On peut jouer la balle, même si j'ai pas l'impression que c'est son objectif là tout de suite maintenant. Allez, le ramassage qui rate. Ça ferait bien plaisir. Je vais marquer avant. Voilà, ce que j'ai pas fait. C'était une erreur. Un pot. Parfait. Ça c'est un serviteur ça, c'est Marion. Allez, le ramassage y rate et on est bien. Enfin on est bien. On n'est pas fini on va dire. Ah, il veut tenter le beau jeu biquette. C'est vrai qu'il y a lui qui est libre. 4 plus 3 plus. On choisit lui pour intercepter. Oh là 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 là. Et bien comme quoi, il n'y avait pas qu'une seule action what the fuck dans ce match, il y en avait plusieurs. Alors, il faut qu'on libère... non merde, je viens de le relever lui. Je viens pas de le relever lui. Il était debout lui. Il était debout. Donc tu tapes là, tu fais de la place pour que le copain... Hop là. Alors, ici 2 GFI, on y va. Voilà. Et là. Ah, je peux pas blitzer. Là, je peux blitzer. Alors, on peut faire mieux. Là, on a quoi? Un dé. On peut mettre du renfort. Il va falloir que je passe par là. Donc, il faut que je me mette ici. Ok, ici, on peut taper. Du coup, ça passe. Je poursuis pas, surtout. Et là, une petite esquive de GFI et un bloc. Attention! Ah oui! Ah oui! Ah oui! Cette balle! Cette balle quoi!
Du coup, donc là, ça c'est un vampire. Donc lui, on va le laisser là, au cas où il arrive des trucs. J'ai même envie de tenter une esquive pour qu'il soit avec un serviteur, mais c'est un peu risqué. Est-ce que je peux faire des choses? Là, je crois que je me relève. Allez, on va essayer. Au pire, c'est un, voilà. Bon, au pire, c'est un turnover. De toute façon, il était par terre. On peut tenter une soif de sang en esquivant. Parce que c'est bien intéressant. Je préférerais à la rigueur. Ah, allez, on va quand même tenter ici une soif de sang. Allez, on va mordre ce mec. Voilà. Avec un peu de chance, il sera pas KO. C'est marqué dans le truc. Nanana, faites un jet de blessure pour serviteur, traitez toute sortie comme une commotion. Ok, donc si jamais il fait une blessure plus grave, c'est une commotion de toute façon. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se barrer par là. Histoire d'être un peu hors de portée de ces biquettes-là. Voilà, on va se mettre juste là pour qu'il soit obligé de faire des GFI. Et c'est parti. Là, c'est quoi? C'est un 3+, plus un 4+. Non, vu qu'il va falloir qu'il rentre dans la zone de tacle, c'est un peu plus compliqué que ça. Les zooms. De l'autre côté, il faut que lui se relève pas, qu'on ramasse. Qu'on fasse peut-être une transmission à lui qui a porté. Ouais, ça, c'est chaud. On fasse une transmission à lui. Une passe avec le vampire. On se tire, oh putain c'est chaud, c'est carrément tendu quand même. Ah merde, l'armure qui passe sur un vampire, ça c'est le drame par contre. Bon, c'est que bah, c'est pas une blessure, mais on avait vraiment besoin sur le terrain de ce vampire. Ici ça passe aussi. Ok, très bien. Les pots qui vont peut-être sauver le match. Ici un pot également. L'armure en plus, un sonnet, bon, ben, neutralisé pour deux tours. Deux sonnets quand même, plus un mec dehors, ça fait un sacré tour déjà. En prolongation, ça pique, hein. Très très clairement. Alors il a pas blitzé, est-ce qu'il compte blitzer là? Non, il compte blitzer là, ok, il veut libérer ce mec. Pourquoi faire? Il veut reculer, avancer, qu'est-ce qu'il veut faire? Parce que s'il libère mon serviteur ici, ça m'arrange, hein. J'imagine qu'il voulait le faire tomber, il n'est pas tombé, c'est pas de chance. Et du coup voilà, on a quelqu'un de disponible. Et ici, bah faut qu'il tente, hein. Soit il se relève pour me faire chier, soit il tente, mais faut pas qu'il reste au sol. Alors comment ça se passe? Ah il dit on tente, on y croit, 4 plus 4 plus. Et ça passe. Improbable. Ah merde, il a déjà quitté. Et ben, GG DJ Creeper, parce que franchement, c'était vraiment le match de l'enfer. Ok, donc on perd une vie sur ce match. Et lui, il va devoir sacrifier un joueur, enfin son MVP. Un guerrier du chaos, ça fait plaisir. De notre côté, bien sûr, on ne sacrifie personne vu qu'on a perdu. On va regarder un peu quand même les trucs. On a Damned qui gagne 5 XP. On a Dripek Mortomat qui a réussi à marquer. On a Chobitif. Lui pas mal d'XP de son côté quand même hein. Au niveau des jets de dés. Ouais hein, quand même hein. Seulement 8-5, 12-2, 19-1. Les interceptions, bon on s'en fout, les blessures, ok les réceptions c'est le drame, réveil de chaos qui passe pas, bon il n'y en a pas eu des masses non plus. Les mises de paquet, il en a fait que 3 mais il en a raté 2. Il a pas fait beaucoup de jets mais effectivement c'était. Même pour lui c'était le drame. Hein. Nous on a fait beaucoup plus de jets, forcément on est des vampires, du coup c'est un peu plus équilibré. Sauf que les 1 ont été vraiment punitifs. 50% de regard hypnotique, 50% de réception censé être du 2 ou du 3+, 80% de soif de sang, on est dans la norme là-dessus. C'est du 83%. Les esquives, ça s'est très très bien passé. Bon, les interceptions, c'est des interceptions. Les mises de paquet aussi, ça s'est très très bien passé de notre côté.
Au niveau des blocs, beaucoup de crânes, hein, comme on s'y attendait. Beaucoup de double crâne aussi, donc ça c'est des échecs. Hein. Très peu de comme ça. Là je pense que c'est là-dessus que ça s'est joué. Hein. Ouais, là il a fait beaucoup plus de blocs, et même s'il a eu du coup un quasi équilibre, ces mecs, ces pots sont vraiment très bien tombés, quoi. Bon bah du coup en tout cas j'espère que ce match vous aura plu. On n'a pas de niveau, hein, donc on ne va pas aller plus loin pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez rejoindre l'équipe en cas de mort, et il y en aura certainement vu qu'on va devoir sacrifier des gens, n'hésitez pas à me le dire, et en tout cas j'espère que on va pouvoir sauver nos deux vies pour les prochains matchs. Merci à toutes et à tous.